très chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue chez cette autre édition de la revue des grandes unes avec nos invités qui sont installés. Mais avant de leur donner la parole, revisitons justement les grandes unes en commençant par Cameroun, par la nouvelle expression qui titre ce matin sur la crise anglophone. La nouvelle expression qui revient donc sur ce week-end assez mouvementé du côté chez Mbanga avec plus de 200 réfugiés enregistrés donc dans cette localité. Ce sont les habitants du village Edikich dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, qui ont fui suite aux attaques des éléments de l'Ambazonian Defense Force. Ils sont logés à la maison du parti soutenue par les populations qui se démerdent à leur apporter de l'aide, tout comme par les autorités de cette localité qui ont donc tenté de recaser ces populations qui racontent qu'elles vaquaient tranquillement à leurs occupations vendredi 13 avril dernier lorsque des coups de feu et même des coups de feu en rafale ont été entendus chez des populations qui ont été poursuivies par ces éléments présentés comme issus de l'Ambazonian Defense Force, des populations qui racontent aussi qu'il y aurait plusieurs victimes et si la parole est donnée chez même à des parents qui se demandent où se trouvent leurs enfants au moment donc où ils sont enregistrés par le reporter de La Nouvelle Expression, le journal qui parle aussi de Sénat. Il s'interroge pourquoi Biya n'a pas choisi le Social Democratic Front. Le chef de l'État a pris à contre-pied ce qui prédisait la nomination d'au moins 3 militants du parti de la balance à la Chambre haute du Parlement. Une décision qui fait suite à quelques calculs politiques, notamment le fait pour le chef de l'État, la décision du chef de l'État qui empêche au Social Democratic Front de former un groupe parlementaire au Sénat. Cameroun Tribune toujours parle du tribunal militaire et des grandes charges sur Mancho Bibixi pour le ministère public. L'homme au cercueil a contribué au pourrissement de la crise à travers les messages diffusés, véhiculés via la radio Abakwa pour laquelle il travaillait. Le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse aussi à l'État, aux États qui se mobilisent contre la pratique de la peine de mort. Le journal ajoute qu'une déclaration y afférente vient d'être dite à Abidjan après les témoignages pathétiques de certains condamnés qui ont failli être exécutés. D'ailleurs, ces témoignages se retrouvent dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Cameroun Tribune parle des visages de la deuxième législature au niveau du Sénat. Cameroun Tribune donc qui fait savoir qu'alors que se profile à l'horizon la session ordinaire de plein droit prévu le 24 avril 2018. Cameroun Tribune, le journal, présente ces hommes et femmes appelés à siéger dans cette chambre du Parlement durant les 5 prochaines années. C'est tout un focus qui est donc fait sur ces 100 personnalités qui sont donc les sénateurs de la deuxième législature. Mutation s'intéresse aussi au Sénat ce matin, mais parle plutôt de processus de décentralisation pour constater l'impuissance du Sénat ce matin. Mutation parle donc de cette accélération de la décentralisation. Le Sénat qui a étalé toute son impuissance quant à optimiser cette accélération. L'avènement de cette chambre n'a rien changé en matière de transfert de compétences et de ressources, nous dit le journal qui ajoute à cette interrogation. Que peut le ministère compétent, ministère de la décentralisation récemment créé par le chef de l'État, et le journal qui propose l'analyse d'un professeur agrégé en sciences politiques. Il s'agit de Joseph Ketuche qui s'exprime donc dans les colonnes du journal Mutation ce matin. Le quotidien de l'économie, lui, parle de normes et de sécurité. C'est le quotidien de l'économie qui parle donc d'énormes risques autour des usines et des hôtels. Ces établissements classés connaissent un déficit criard de personnel susceptible de sonner l'alerte de la catastrophe. Et le journal d'ailleurs d'ajouter que la côte d'alerte est d'ailleurs atteinte à ce niveau. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à la filière sucre et ceci dans la perspective du Ramadan 2018.
le Ramadan, donc, et cette interrogation à la une de l'œil du Sahel, à quoi joue la SOSUCAM, la société sucrière du Cameroun, qui s'insurge donc contre les importations de sucre, pourtant, fait savoir le journal, la société présente aussi très souvent de nombreuses pénuries à l'approche de cette fête du Ramadan. Deux poids, deux mesures, donc, à l'observation de la réaction et du comportement de l'entreprise sucrière. Le journal Le Soir s'intéresse aussi ce matin aux nominations des sénateurs, nomination des 30 sénateurs dont les scandales qui les emportent. Le journal qui s'intéresse à ces sénateurs qui n'ont pas été reconduits, le soir Très Hebdo, qui ajoute que en procédant à la nomination des 30 titulaires manquants et leurs suppléants le 12 avril dernier, le chef de l'État, dont l'attachement aux valeurs républicaines est incontesté, aurait retiré sa confiance à certains sénateurs ayant été impliqués dans quelques scandales au cours de leur mandature. Le journal La Nouvelle lui parle de succession de Paul Biya avec donc les Marocains qui avaient déjà leur dauphin, nous renseigne le journal, qui parle aussi de Camerco et des gros mensonges d'Ernest Dikoum qui ont été mis à nu. Ecomatin s'intéresse aux APE, Cameroun, Union européenne. Désaccord total sur les règles d'origine de l'APE, le journal qui développe en faisant savoir qu'avec les chaînes d'approvisionnement mondialisées, un véhicule ou un téléphone portable importé d'Europe n'est pas forcément européen. Le gouvernement qui soupçonne dans l'Union européenne de vouloir s'appuyer sur cette hypothèse pour favoriser ou défavoriser une industrie au Cameroun ou en Europe. La définition des règles d'origine et leurs implications peuvent alors avoir des répercussions importantes pour les exportateurs, nous dit le journal qui s'intéresse aussi donc ce matin à de nombreux sujets économiques, notamment la Société Générale qui est mandatée pour dématérialiser les actions de la SOCOPAO. Allez, le journal Repère s'intéresse au Sénat ce matin, Repère qui parle de présidence du Sénat et cette interrogation qui barre sa une, Niat Ndifendi fait-il encore l'affaire? C'est une interrogation. Le journal d'ajouter qu'au moment où il entame sa deuxième mandature, le président sortant de la Chambre haute du Parlement est visiblement affaibli par le poids de l'âge. Et le journal Intégration parle de finances ce matin. Flux financier illicite, financement du terrorisme, déficit budgétaire et réendettement rapide. Convergence, la sonnette d'alarme des ministres de la zone franc. Le journal qui ajoute que les 12 et 13 avril dernier à Brazzaville au Congo, la réunion semestrielle des argentiers de la zone franc a exprimé ses inquiétudes et ses préoccupations après avoir pris connaissance, entre autres, du rapport intermédiaire de surveillance multilatérale 2017, les perspectives macroéconomiques de la zone CEMA. Marque pour 2018. Le journal d'ailleurs qui publie ce matin le dit rapport dans ses colonnes. Et puis le journal L'Anecdote parle ce matin de formation des infirmiers. La grosse escroquerie, nous dit L'Anecdote, qui ajoute que l'on vit une absence, l'absence d'une politique nationale de soins et de normes et de standards, de la surfacturation de la scolarité, la gestion à la pelle du personnel paramédical et c'est le journal qui se parle donc d'urgence de la réforme de la profession infirmière au Cameroun. C'est un dossier qui est proposé aux pages 9 et 10. Le journal qui parle aussi de la mise au point du ministre du Commerce relativement à la filière poisson et à l'importation du poisson. Le ministre qui sonne la fin de la récréation donc dans cette filière à travers sa mise au point. Kalara, ce matin, nous parle de marché public et de Grégoire Ouna qui est traîné en justice pour des médailles. Une société jadis chargée de la fourniture des insignes d'honneur s'insurge contre ce qu'elle considère comme la révocation abusive de son agrément. Les deux parties sont donc en justice et les arguments de chacune des parties sont présentés devant la barre. Info Matin, ce matin donc, parle de l'affaire à Tanganakuna. Info Matin qui nous dit que le tribunal criminel spécial recouvre
couvre près de 2 milliards de francs CFA. Le patron d'ASPAC International, le Belge Jacques Massard, a accepté de payer la somme pour recouvrer la liberté, non sans dédouaner avec force et argument l'ex-ministre de l'économie, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, victime de dénonciations anonymes, dit-il. Donc, c'est une victoire, nous dit le journal, une mini-victoire dans ce pan, dans ce dossier pour lequel était incriminé Basile Atanganakuna. Basile Atanganakuna, toujours à la une d'Info Matin, qui a été victime d'un grave malaise. Des sources proches du pénitencier de Yaoundé font état d'une situation à prendre au sérieux. Mais le journal rappelle que la situation est sous contrôle puisque l'une des filles de Basile Atanganakuna, médecin de formation, est venue à son chevet et a donc réussi à ramener la situation à la normale. Voilà qui nous permet de sortir de ces journaux et d'accueillir sur ce plateau nos différents invités. Thierry Nopé, bonjour. Bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve ce matin. Allez, il y a beaucoup de plaisir aussi de notre part. Bonjour Bernard. Bonjour Éric Marcian Diomo, le rédacteur en chef. Bonjour Thierry Nopé. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'Equinox TV. Alors, on démarre ce matin avec la crise anglophone et la une du journal La Nouvelle Expression, qui est d'ailleurs le seul journal qui s'est véritablement intéressé à ce qui s'est passé du côté de Banga le week-end dernier. 200 réfugiés. On était habitué jusque-là aux réfugiés qui sortaient du territoire pour se retrouver du côté du Nigeria. Là, on a affaire aux réfugiés en interne du côté de Banga. En réalité, on ne saurait véritablement parler de réfugiés à ce niveau, mais il est quand même clair qu'il était pratiquement impossible pour ces populations de se déplacer. Et puis en même temps, cela n'était pas possible d'aller au-delà, parce que, comme l'a souligné d'ailleurs les reporters de la Nouvelle Expression, les routes étaient barrées, les véhicules ne circulaient pas. C'est un train qui passait par là, qui a eu, en fait, qui a permis à ces populations de se retrouver justement du côté de Banga. Il y a même des familles qui sont actuellement divisées parce qu'il y a des parents qui ont fui, laissant parfois derrière eux femmes et enfants ou mari et enfants. Donc c'est une situation à prendre avec beaucoup de sérieux. On salue l'efficacité des autorités administratives de cette partie du pays, notamment du côté de Banga, le sous-préfet, parce que la maison du parti de cette localité que je connais assez bien est assez exiguë pour contenir près de 200 personnes. Vivement que d'autres dispositions soient prises pour que ces populations aient au moins de quoi vivre, en attendant que d'autres mesures palliatives soient prises jusque-là. Mais il faut quand même souligner, pour ce qui est de la situation du côté de la Mémé, que ce n'est pas une première. On a comme l'impression que le sud-ouest du pays est en proie de plus en plus à des actions sans cesse répétées de ces sécessionnistes qui se recrutent dans l'armée ambazonienne, et sans que cela ne puisse véritablement être mise à mal par l'autorité administrative. On ne sait pas exactement, oui, par les forces de l'ordre. Il faudrait justement qu'on fasse des efforts à ce niveau, parce qu'on ne comprend pas comment des individus aussi isolés, parce que pour l'instant c'est le cas, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne peut pas, on a comme l'impression qu'il y a un État qui est en train de se former dans un État, alors que cela ne devrait pas être le cas. Il y a des forces de l'ordre quand même, il y a l'État qui est suffisamment renseigné, nous osons le croire, et les populations participent quand même à cette contribue d'une manière ou d'une autre à cette divulgation de l'information. Il faut vivement que les autorités prennent des mesures qu'ils imposent pour sécuriser davantage les personnes et des biens. Voilà. Bernard, on a l'impression là qu'on est dans un paradigme nouveau avec ces personnes présentées comme les Ambazonian Force ou les forces de défense de l'Ambazonie, ou ces personnes présentées comme des sécessionnistes qui jusque-là ne s'attaquaient pas véritablement aux populations. L'ont fait vendredi dernier. C'est une tournure nouvelle selon vous dans cette crise? Oui, effectivement. La dernière fois que j'étais intervenu ici, j'ai parlé, j'ai utilisé un néologisme, j'ai parlé de l'ambazonisation des zones francophones, des zones anglophones, c'est-à-dire que les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Mais l'ambazonisation là est en marche. Parce que, à l'évidence,
Ça, c'est un cas de déplacés. De déplacés, c'est-à-dire que des gens qui sont dans leur propre pays, qui partent de leur zone d'habitation, de leur lieu naturel d'habitation, pour aller ailleurs, en raison de ce que l'insécurité s'est installée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qu'il faut se poser, est-ce que finalement, il y a le pouvoir d'un État régalien dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest? Si oui, pourquoi est-ce que les gens peuvent se déplacer? Sinon, pourquoi est-ce que le pouvoir régalien a foutu le camp dans ces zones-là? Il faut se poser des questions. On ne peut pas comprendre que dans un État normal et bien sécurisé, que des personnes, ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une catastrophe, que les gens puissent se déplacer du fait qu'il y a des bandes armées qui les poursuivent. Où est l'État pour sécuriser ces gens? C'est la question qu'il faut se poser. Et il faut que l'État régalien prenne ses responsabilités. Oui, parce que on arrive à une situation où on ne comprend finalement rien. On ne peut plus partir paisiblement, aisément, de Douala pour dire qu'on part à Bouéa ou je sais pas, dans la même Mutenguet, parce qu'on a peur d'être chassé de là-bas. Ou c'est le Cameroun, ou ce n'est pas le Cameroun. Voilà, on présente ceux qui ont fait fuir ces populations comme étant des sécessionnistes, mais une question naît et grandit de plus en plus sur l'organisation. On a finalement le sentiment, Thierry, qu'il s'agit là des groupuscules qui agissent quasiment de façon indépendante. Mais des groupuscules armés quand même, oui, parce que là, les reporters parlent de coups de feu, en fait, des témoignages qui ont été recueillis. Disent justement qu'il y a eu des rafales. Et quand on parle de rafales, il ne s'agit pas d'une arme de chasse, comme a laissé entendre le ministre de l'administration territoriale qui avait décidé justement de fermer les armureries. C'est pour démontrer effectivement que ces gens sont suffisamment équipés. Et il y a même certaines informations qui avaient laissé croire. Il y a quelques mois que l'Ambazonie ou les Ambazoniens s'armaient progressivement à partir des frontières. Quand on écoute ce qui s'est passé du côté de la Mémé, on a comme l'impression effectivement que ces informations disaient vrai. Et si la situation continue, justement, on pourra vivre autre chose que ce qui est en train de se vivre là. N'oublions pas que cela s'est par ailleurs passé, parce que ce n'est pas le seul cas. Cela s'est passé également du côté de Dadi, et l'État a dû déployer un trésor d'énergie pour sécuriser cette zone et demander aux populations de revenir. Et jusqu'à présent, je vous assure que ces localités ne sont toujours pas habitées. Les enfants de ce côté ne partent pas du tout à l'école. On a justement, Bernard Batana le soulignait tout à l'heure, que l'État semble démissionner progressivement de ses responsabilités. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure que les autorités administratives fassent davantage d'efforts pour sécuriser les personnes des biens. On sait d'ailleurs que le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Obilai, qu'on connaît d'ailleurs être un homme de poing, devrait prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour ramener la quiétude de ce côté. Parce que si ça continue ainsi, nous autres qui allons de temps à autre du côté de Kribi ou de Kumba, voire des parents, on n'aurait plus le courage d'y aller. On croyait justement que c'était des zones reculées qui étaient attaquées jusqu'ici, mais quand on vient jusqu'au niveau de la route Kumba, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vers quoi tend-on? Donc avec cette autre tournure, cette nouvelle tournure, c'est une interrogation. Tout comme une autre interrogation, Bernard, c'est celle qui porte sur la réaction justement des autorités au niveau de Yaoundé. Parce qu'on a apprécié, justement, comme le relevait Thierry, la prompte réaction de monsieur le sous-préfet du côté de Mbanga. Mais on n'a pas forcément le sentiment que c'est une situation qui fait bouger tout au moins les ministres qui sont en charge de la question. Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, il faut déplorer, pour le dire, le silence qui devient assourdissant du pouvoir de Yaoundé face à une situation d'une extrême gravité. Parce que, justement, il faut que les gens se sentent en sécurité dans leur pays. Vous ne pouvez pas me dire que moi je suis de la Mémé et que des bandes armées viennent me pourchasser pour des raisons que j'ignore, et que le pouvoir de Yaoundé, qui est supposé me protéger, ne réagisse pas.
Le sous-préfet de Mbanga est dans son rôle. Bien entendu. Il est dans son rôle d'accueillir ceux qui viennent. Ça, ça aurait été autrement qu'on aurait jeté la pierre sur lui. Mais il faut que le pouvoir régalien de Yaoundé intervienne pour dire que stop, nous sommes ici au Cameroun, nous ne sommes pas en Ambazonie. Autrement dit, cette région va devenir une région de non-droit, une no-man's land. Pourtant, il faut relever, Bernard, que sur place, il y a des contingents assez importants de forces de défense dans ce département, tout comme dans d'autres de cette région du sud-ouest, même du nord-ouest. Ah oui, au moment où 200 personnes partaient de là, où étaient ces contingents, pour leur dire que mais non, attendez, restez là, nous sommes là pour vous sécuriser. Mais ces contingents-là, ils sont pourquoi donc? Ils sont allés faire quoi dans le nord-ouest et le sud-ouest? Si les gens peuvent se déplacer aux yeux, et au nez et à la barbe de ces contingents. Il y a un problème, il y a un problème, mais décidément, monsieur. Voilà, il y a un problème, malheureusement. On va avancer avec peut-être un mot rapide sur le cas à Tanganakuna qui est revenu à la une de quelques journaux, malaise et par la suite cette affaire de recouvrement de près de 2 milliards par le TCS dans l'une des affaires dans lesquelles sont empêtrés ou est empêtré ici à donc Basile Tanganakuna. C'est une bonne nouvelle pour lui, selon vous, Thierry? Bon, une chose est sûre, le président de ASPAC International a souligné qu'Atanganakuna n'a rien à voir cette affaire. La preuve, il a restitué les près de 2 milliards du corps du délit qui était réclamé jusqu'ici lors de son arrestation le 6 mars dernier. Il a quand même fait quelques précisions, mais une chose est sûre, je crois quand même que des personnalités comme celle-là qui, jusqu'à preuve de contraire, continuent à gagner des marchés au Cameroun au niveau de l'approvisionnement en eau potable dans nos régions. Aujourd'hui, cette entreprise est en train de travailler du côté du port en eau profonde de Kribi. Il faudrait justement que l'État regarde davantage le processus même d'attribution de ces marchés. Parce que si des personnalités de la sorte sont impliquées dans des malversations financières au point de restituer le corps du délit, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, de là à dédouaner Basile Tanganakuna. Ça veut dire que vous n'êtes pas surpris par son discours qui porte à croire que voilà, Basile Tanganakuna n'a rien fait. Je vous rappelle en même temps que le même Basile Tanganakuna qui a été en fuite au Cameroun était également reproché d'être impliqué dans des affaires, notamment de la CDE. Il avait longuement clamé son innocence, mais les faits au quotidien ont démontré le contraire. Au moment même de son arrestation, des sources crédibles espoirent qu'il y a plusieurs pontes du régime qui ne dorment plus tranquilles parce qu'il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de connivences autour de ces différents dossiers-là. Donc, laissons la justice faire son travail. Ce sont des cas qui sont étudiés au niveau du tribunal criminel spécial. On espère quand même que d'ici à là, on saura exactement ce qui se passe. Mais toujours est-il qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà. Et le journal de nous rappeler qu'il a été victime dans la nuit de samedi à dimanche d'un grave malaise, une fatigue généralisée. C'est une situation à laquelle est confronté ou sont confrontés beaucoup de prisonniers de luxe de ce côté-là, Bernard. Oui, Eric Martial, il y a eu une sortie de Atangana Mebara qui est en prison et qui a présenté tout le cheminement physique et psychologique, comment il faut s'habituer à vivre dans une maison non climatisée, il faut s'habituer à dormir sur un lit d'une seule place, certainement Tanganakuna ne s'est pas exercé à cela, donc c'est normal qu'il tombe malade, c'est-à-dire que son organisme réagit parce qu'il change de confort de vie. Ça, c'est un problème d'adaptation. Et c'est d'autant plus intéressant que sa fille est médecin qui sera à ses côtés. Ce que les autres prisonniers, privilèges que les autres prisonniers lambda n'ont pas. Bon, maintenant, l'autre chose, c'est on parle de rembourser, de redonner le corps du délit. Moi, je suis surpris. La procédure n'est même pas encore ouverte sur le cas à Tanganakuna. Que les gens disent maintenant qu'on va restituer le corps du délit. De quel délit s'agit-il?
De quoi est-ce que Atanganakuna est accusé par la justice? On ne sait pas. Quelqu'un vient comme ça, comme sorti de la cuisse de Jupiter, pour dire que voilà, je restitue le corps du délit. Vraiment. C'est dans l'une des affaires. Là, en attendant, dans l'une des affaires connues, puisque la personne, monsieur Massard, avait été interpellé. Mais la justice n'a pas encore dit ce contre quoi Atangana. En tout cas, dans l'affaire, c'est l'une des affaires. Ce n'est pas dans l'affaire du Belge. Dans l'affaire du Belge, Atangana Kuna a été cité, je pense, comme co-accusé. Ce n'est que l'une des affaires. Oui, l'une des affaires. Alors, vous croyez que en restituant le corps du délit de l'une des affaires, Atangana Kuna sera libéré? On ne sait pas. C'est à la justice de décider. Absolument. Voilà. Allez, merci messieurs. Le temps à nous est parti, arrivé à son terme. Merci Thierry d'être passé par ici. Merci Bernard. Merci chers téléspectateurs. Demain sera notre jour et forcément nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes, Fekinox Télévision. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle suite des programmes sur votre télé. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.